Que Dieu soit glorifié, celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en son précieux nom que je vous salue en cette soirée, en direct de Kinshasa, en RDC, dans la capitale mondiale de la francophonie, au cœur du monde, au cœur de l'Afrique, au cœur de la RDC à Kinshasa. Je vous souhaite la bienvenue dans ce direct. Soyez les bienvenus ce soir, parce que ce soir nous allons passer une soirée inédite. Quand je dis c'est inédit, c'est-à-dire c'est inédit. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a choisis pour exercer l'office de prophète. Il nous a accordé un fardeau en cette saison, celle de sonner de la trompette. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas que des prophètes qui représentaient les prophètes, mais il y avait aussi des images, des choses qui symbolisait aussi le ministère prophétique. Par exemple, la corne symbolisait le ministère prophétique. La trompette d'argent symbolisait le ministère prophétique. Avec cela, on pouvait, en tant que sentinelle, sonner de la trompette et avec un certain son, annoncer la fin de la guerre. Avec un certain son, annoncer l'arrivée des adversaires. Avec un certain son, annoncer l'approche d'un émissaire de notre empire, avec un certain son, annonçait le rassemblement avant de lever le camp. Bref, la corne représentait aussi le ministère prophétique. Et nous venons devant vous dans vos maisons ce soir afin de sonner de la trompette. Parce que le son, c'est le message. N'est-ce pas? Il est écrit que le retour du Seigneur se fera comment? On dit à la voix de l'archange et au son de la trompette. Certains pensent qu'il y aura une trompette. On va sonner de la trompette. Mais vous devez savoir que le son de la trompette n'est pas forcément une corne qui sonnera du haut des cieux. Loin de là. Le son de la trompette veut dire aussi un certain message que l'on va entendre avant que le Seigneur ne vienne pour prendre son église lors de l'enlèvement. Rappelez-vous de Matthieu 25, de la parabole des vierges. La Bible déclare, un homme au milieu de la nuit s'est écrié en disant, voici l'époux, allait à sa rencontre. Et parce que la venue de l'époux était précédée par un certain type de message. Alors Dieu nous a donné un message, celui de rêver l'église, de vous rappeler qu'il est à la porte et surtout de vous dire quelles sont les choses qu'il attend de nous, quelle est l'attitude, le comportement qu'il attend de nous. Et j'aimerais en tant que prophète vous enseigner sur ce qui se passe avant l'enlèvement, ce qui se passera lors de l'enlèvement, ce qui se passera après l'enlèvement de l'église. Il y a beaucoup de choses qui auront lieu. Alors soyez les bienvenus ce soir, soyez les bienvenus à une autre session de Prophetic Sunday, le grand rendez-vous de dimanche soir. Tout le monde attend ce rendez-vous parce qu'ici nous sommes de différentes églises, de différents clivages de confession de foi, mais nous voulons écouter le son de la trompette par le canal de l'enseignement prophétique. Le ministère prophétique n'est pas seulement caractérisé parce que vous avez vu, ça fait quelques minutes, citant des noms, des numéros de téléphone, l'adresse des gens, révélant des choses que seul Dieu et ces personnes peuvent savoir. Mais le ministère prophétique est caractérisé par le message prophétique, par l'enseignement prophétique. Et c'est ce que nous vous apportons ce soir avec un thème particulier. Je parlerai ce soir sur le thème « La bête qui monte de la mer ».« La bête qui monte de la mer », Apocalypse 1, 13, verset 1er. Au troisième verset. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Père bien-aimé, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous désirons plus de toi, Seigneur, ce soir. Et nous te prions que par ton amour et par ta grâce, la voix prophétique retentisse dans nos cœurs. Ma prière, Père, est que tu me donnes la sagesse et l'intelligence afin que je puisse articuler correctement ta pensée à ton peuple qui est connecté très nombreux ce soir. Bénis ceux qui suivent et ceux qui vont suivre à la suite des temps. Je te donne à toi et toi seul toute la gloire et tout l'honneur à jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donne-moi plus de toi et puis je vais commencer. Que Dieu soit glorifié. Amen. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Nous parlons du thème « La bête qui monte de la mer ». La bête qui monte de la mer. Le thème de ce soir est celui-ci. La bête qui monte de la mer.
Nous allons commencer avec la lecture biblique. Je vous prie de lire avec moi, d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Révélation, le livre d'Apocalypse, Apocalypse de Jean, chapitre 13, du premier au dernier verset. Je rappelle Apocalypse 13, du premier au dernier verset. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, qui veut dire 3 ans et demi. 42 mois, tapez sur Google, 42 mois et tapez année, on vous dira c'est 3 ans et demi exactement. Ok, verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, peuple, langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Ok, là c'est une fils. Là, c'est une deuxième bête, ok? Deuxième type de bête. Puis je vis monter de la terre. La première bête montait de la mer, n'est-ce pas? Verset 1 du chapitre 13. La deuxième bête, il est écrit... Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, de la première c'est-à-dire, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La première bête, n'est-ce pas? Celle qui sortait de la mer. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. On a animé, animation de l'image. Afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque de la bête et le nombre de son nom. Que celui qui lise fasse attention. Verset 18 pour terminer. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de bêtes. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen.
Soyez les bienvenus à ce direct pour tous ceux qui nous ont rejoints. Et nous osons croire que par la grâce de Dieu, nous allons passer un petit moment autour de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes dimanche soir. Soyez confortablement assis chez vous. Détendez-vous, restez connectés. Et nous allons bien manger ce soir. Mon thème de ce soir est celui-ci, la bête qui monte de la mer. Et j'aimerais vous dire que cette première session est une introduction. Je finirai avec beaucoup de questions que je vais vous poser afin d'attirer votre attention sur des choses que rarement plusieurs chrétiens ont compris concernant les temps de la fin, mais aussi la bête 666 et le nouvel ordre mondial. Alors, soyez très attentionnés. Nous allons commencer à voyager sur cette partie introductive. Premièrement, ce soir, nous parlons de la prophétie biblique. Ok? Nous parlons de la prophétie. Quand nous parlons de la prophétie, c'est au-delà de donner des noms et des adresses. Ok? Au-delà de prédire. Quand on parle de la prophétie, on veut dire beaucoup de choses. Et j'aimerais qu'on commence un peu par là. Que veut dire la prophétie? Premièrement, une prophétie est un prophète. Une prophétie, par définition numéro 1, c'est un prophète. Ézéchiel 12, verset 6. Ézéchiel 12, verset 11. Ézéchiel 12, verset 11 dit ceci. Dit, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Verset 6, sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule. Tu les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Prophète, comment un prophète veut dire une prophétie? Vous devez savoir que dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, quelque chose d'étrange est attaché au ministère prophétique. Le ministère prophétique ou l'office de prophète, depuis la nuit des temps, a été un ministère messager. Dieu communiquait sa pensée par des prophètes. Hébreux 1, verset 1. Autrefois, Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Ok? Dieu parlait par les prophètes. Et tous ceux qui connaissaient, fréquentaient le ministère prophétique, même dans l'Ancienne Alliance, vous verrez avec moi dans une perception vétérotestamentaire, qu'on écoutait Dieu au-delà des paroles que le prophète sortait. Sa vie était un message. Ses actions étaient des messages. Ce qu'il subissait était aussi des messages. Rappelez-vous comment Samuel arrivait à Bethléem après que Dieu ait rejeté Saül. Il arrive à Bethléem et la voix du Seigneur, et la voix des anciens se fait entendre. Il pose la question en disant, Samuel, alors que tu viens ici, est-ce que ta présence n'annonce-t-elle pas quelque chose? Parce qu'il savait qu'un prophète n'a pas besoin de parler. Il arrive quelque part, il a une prophétie, il a un message. Selon 1 Corinthiens 1, verset 12, verset 1, celui qui a un don de prophétie, il donne des messages. Mais celui qui est prophète, il est le message. Il est un message, il est un signe, il est une prédiction. N'est-ce pas? Esaïe a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes signes et des prodiges pour Israël. Considérez les feux de signalisation. Vous êtes dans un carrefour, vous voyez que c'est orange, vous savez qu'il faut soit vous préparer à démarrer pour avancer ou bien vous préparer à freiner. Vous avez le vert, vous savez qu'il faut avancer, vous savez le rouge, vous savez qu'il faut s'arrêter. Il n'y a aucun son qui sort de ces signaux, mais vous savez ce que ces signaux vous disent, sont en train de vous dire. N'est-ce pas? Dieu avait dit à Moïse, il y a dit à Moïse, si ce peuple n'entend pas la voix du premier signe, il entendra la voix du second signe, parce que tous les signes ont des voix. Tous les signes ont des voix. Alors un prophète, puisqu'il est un signe, il est une voix. Vous allez voir un prophète comme Ézéchiel, sa femme meurt, Dieu dit, tu ne vas pas pleurer ta femme. Parce que ça va être un signe pour la maison d'Israël. Vous allez voir le prophète Esaïe. Dieu dit, tu vas prophétiser pendant plus de 3 ans. Et comme ça, nu. Il s'est déshabillé, il a commencé à prophétiser nu. Vous allez voir Osée, Dieu dit, Osée, pars, épouse une prostituée. Parce que le fait d'épouser une prostituée était un message. Parce qu'un prophète est une prophétie. Deuxième définition, une prophétie est l'expression de la manifestation du don de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Donc, lorsqu'une personne qui a un don spirituel de prophétie ouvre la bouche, exerce le don de prophétie, ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'on appelle une prophétie.
Que veut dire une prophétie? Une prophétie est le résultat de la combinaison du don de langue et le don d'interpréter les langues. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 9, verset 13, il dit, « De même vous, si vous parlez, si vous parlez en langue, vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air ?» Verset 13, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Lorsqu'un homme a le don de langue, ça arrive des fois quand le don de langue a une certaine dimension se manifeste, on a un message, mais dans un langage que l'on ne peut comprendre. Une autre personne s'élève et reçoit l'interprétation du message que vous libérez. Le don de langue plus le don d'interprétation est égal au don de prophétie. Parce qu'il vient pour exhorter, édifier et aussi consoler. Que veut dire une prophétie? Une prophétie est aussi une section de la théologie axée sur les temps de la fin. On parle alors de la prophétie biblique. Donc on dit, c'est un spécialiste en matière de prophétie. Même chez les anglophones, ils ont l'habitude de dire « This man is working on Bible prophecy ». On parle essentiellement de ce qui a trait avec les événements du temps de la fin. On fait généralement allusion à l'eschatologie, ok? En théologie, on a la sotérologie pour le salut, la pneumatologie pour la personne du Saint-Esprit, la christologie pour la connaissance de Christ, l'angéologie pour les anges, la démonologie pour les démons. L'eschatologie, c'est en particulier pour ce qui a trait avec le temps de la fin. Que veut dire eschatologie? Eschatologie vient de eschatos, dernier logos, qui veut dire parole ou bien étude. C'est-à-dire, eschatologie veut dire étude et discours sur la fin du monde, ou bien sur la fin des temps, ou même sur l'au-delà. C'est en cela qu'on parle de l'eschatologie. Enfant de Dieu, ça fait quelques années, l'un de mes enfants m'a posé la question, j'étais à Lubumbashi à l'époque, « Dad, j'aimerais savoir, puisque tu es prophète, que veut dire les 100 qui sont les 144 000 d'Apocalypse ?» Frère, j'étais tellement intimidé, j'ai dit à mon enfant, « Attends, j'ai déjà la réponse, je vais te répondre. » Pourtant, j'avais une réponse, qui n'était pas très claire. Et je suis allé étudier, je me suis posé la question, comment moi qui me dis prophète, je ne peux pas avoir la maîtrise de l'Apocalypse? C'est alors que j'ai commencé à me concentrer, parce qu'il est inadmissible que tu sois prophète. Tout ce que tu sais, c'est j'ai vu, j'ai entendu, mais que tu ne maîtrises pas le livre même. Le livre de travail des prophètes, qui est le livre d'Apocalypse. C'est alors que j'ai commencé à étudier le livre d'Apocalypse. Et je vous encourage vivement, enfants de Dieu, à faire vraiment un temps en cette période d'aller dans le livre d'Apocalypse et d'apprendre. Je reviens sur ça dans un moment. Et quand on parle de l'eschatologie, trois grandes, plusieurs religions ont leur eschatologie, c'est-à-dire ont des théories, ont des prédictions, des prophéties sur les événements du temps de la fin. Notamment les trois grandes religions monothéistes, qui tirent toutes leurs racines d'Abraham, le père des croyants. Premièrement, il y a l'islam par Ishmaël. Deuxièmement, il y a le judaïsme par Isaac. Et troisièmement, il y a le christianisme par Christ, parce que nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Et ces trois grandes religions monothéistes ont leur eschatologie. Il y a l'eschatologie même des musulmans. Ils ont des choses auxquelles ils croient selon des prophéties qu'ils ont reçues sur la fin du monde, la fin des temps. J'en parlerai tout à l'heure. Vous avez le christianisme qui a aussi plusieurs livres apocalyptiques et plusieurs prophéties. Même dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle l'eschatologie catholique. Il y a des pères, il y a des saints, il y a des hommes qui ont eu à voir des choses. Il y a par exemple ce qu'on appelle la prophétie des papes. On a annoncé tous les papes qui allaient se succéder avec un langage très codé jusqu'au pape que nous avons actuellement. Et on dit d'ailleurs que la prophétie des papes est attachée aussi à la fin du monde ou à la fin des temps. Et c'était un homme, il semble que c'était faux, d'autres disent que c'était vrai, mais un saint homme qui a eu des visions sur tous les papes qui se sont succédés au fil du temps. Les chrétiens aussi leur eschatologie, les musulmans ont leur eschatologie, mais les juifs aussi ont leur eschatologie. Les juifs aussi ont des prophéties, ils savent que ces choses veulent se réaliser. Je ne vous donne pas les détails, j'étais dans une petite confidence et j'ai entendu un homme qui parlait au téléphone avec un agent de la Mossad. Et alors qu'il parlait avec lui, il lui a dit,
nous sommes dans la joie. Parce qu'actuellement, Donald Trump a tendu la main à Israël. Il a dit, nous sommes dans la joie parce que tous les rabbins savent que le Messie est en train de venir. Avec le soutien de Trump, des États-Unis, nous sommes plus que sûrs que nous pourrons rapidement reconstruire le troisième temple à cause de l'implication des États-Unis. Il a même dit, même vous au Congo, le fait que vous puissiez avoir un président chrétien qui est en train de remettre la relation avec Israël, cela vraiment signifie qu'il y a des grandes choses qui vont se passer. Même les Juifs ont leur eschatologie. Donnez-moi beaucoup de cœur, partagez le live et on va maintenant commencer à entrer en profondeur. On est à combien ce soir? Pardon? Ok, je compte sur vous. Donnez-nous beaucoup de cœur, partagez le live, soyez relax parce qu'on va entrer dans les vraies choses ce soir. Donc ces trois grandes religions monothéistes ont leur eschatologie. Ils ont des textes, des livres sacrés, des prédictions, des visions concernant la fin des temps. Et dans la Bible, on parle aussi des livres apocalyptiques, c'est-à-dire des livres qui traitent notamment des sujets qui ont un lien avec l'eschatologie. Dans les 66 livres de la Bible, nous avons trois principaux livres apocalyptiques. Premièrement, nous avons Daniel, nous avons Zacharie et nous avons Apocalypse. C'est vrai qu'il y a des portions, des prophéties dans Ésaïe, dans Jérémie, même dans Ézéchiel, Ézéchiel 30, 31, 32, Ézéchiel 37, Ézéchiel 40. Il y a plusieurs portions des prophéties sur la Russie, la Chine. Il y a plusieurs prophéties dans ces textes de la parole de Dieu. Mais ces trois livres, notamment Daniel et Apocalypse de Jean, sont deux livres principaux qui parlent profondément de l'Apocalypse. Amen. Alors Daniel et Jean ont un écart de 700 ans. Et ces deux étaient des prophètes. Ok, Daniel était prophète. Et Jean aussi était prophète. Ok. Et ici, je vais vous faire une petite présentation des similitudes qu'il y a entre le prophète Daniel et le prophète Jean. Numéro 1, Daniel a écrit à Babylone, c'est-à-dire en captivité. Jean a écrit à Patmos, en d'autres termes, en captivité parce qu'il était un prisonnier politique de l'Empire romain. 2. Daniel était en exil et Jean était en exil aussi. 3. Les deux étaient d'une lignée spéciale. Daniel était de la lignée royale et Jean était de la lignée des sacrificateurs selon les historiens de l'église de la première ère. Autre chose, les deux étaient prophètes, n'est-ce pas? Daniel était prophète et Jean était aussi prophète. Les deux ont eu une vision du temps de la fin et le retour du Messie. Les deux ont vu cela, Daniel en son temps et Jean aussi en son temps. Les deux ont survécu à la destruction du temple de Jérusalem. Ok, 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem est détruit par, selon que Christ avait prophétisé, dans Matthieu chapitre 24, le temple a été détruit. Right? Et Jean a survécu à traverser cette période-là. Autant que Daniel aussi, il a survécu à la destruction du temple de Jérusalem. On dit que les deux sont morts d'un âge avancé. Les deux sont morts à peu près quand ils avaient 90 ans. Les deux ont vécu beaucoup, ont traversé beaucoup de royaumes. Daniel a vécu dans deux royaumes babyloniens et deux médo-perses. Et le prophète Jean aussi à son tour a vécu depuis César Auguste, c'est-à-dire le César de la naissance de Jésus. Il est passé par Néron même jusqu'à Domitien. Les deux ont entendu de la part de Dieu le verbe sceller. Daniel, il devait sceller, mais Jean, on dit, ne scelle pas. Faut pas sceller. Et je crois que nous sommes au temps de Daniel, ou au temps de Jean, où les choses qui étaient mystérieuses, qui étaient cachées, vont être dévoilées. Ainsi, je décrète et déclare sur toi là où tu es, dans ce temps de confinement, la dépression s'en va. Ton esprit s'ouvre et tu as une faim exagérée de la parole de Dieu. Tu nages dans les Écritures, tu nages dans la Bible et tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Pourquoi certains textes doivent être difficiles pour toi et faciles pour les autres? Le même Saint-Esprit en eux est aussi en toi. Et la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit peut même t'enseigner Apocalypse sans que tu n'aies été à l'école biblique. Donne-moi un amen très fort là où tu es. Dis avec moi, avance prophète, avance prophète, avance prophète.
avance prophète, on est en train d'aller en profondeur maintenant. Ok, les deux ont écrit sur Israël, enfin, les deux ont écrit là sur Israël et les nations, et Jean a vu précisément sur les nations Israël, mais en particulier sur l'Église. Que veut dire un livre apocalyptique? Suivez-moi très bien, on est vraiment en train de poser les bases de l'eschatologie. C'est très important que nous puissions faire ce qu'on dit en anglais, first thing first. Que veut dire un livre apocalyptique est donc celui qui utilise le langage des symboles. Right? Un livre apocalyptique a beaucoup de symboles. Je vis deux chandeliers. Un olivier. J'ai vu deux chandeliers. J'ai vu quatre cavaliers. J'ai vu des cornes. J'ai vu quatre forgerons. Toutes ces images-là sont souvent très utilisées dans des livres apocalyptiques. Alors, je le dis surtout parce que j'aimerais vous donner l'envie d'étudier l'eschatologie. C'est très important. Regardez ici avec moi quelques raisons pour lesquelles Dieu voulait ce langage de signes. Alors, prophète Joël, pourquoi leur apocalypse, c'est toujours compliqué? Oh non, les dragons, les léopards. Pourquoi on ne dit pas clairement les choses simplement? Je te donne quelques raisons pour lesquelles Dieu a voulu intentionnellement que ces livres soient comme flous, scellés et codés. Première raison, Dieu utilisait des symboles que les gens connaissaient à l'époque. Ok? Lorsqu'on parlait de l'ours, on comprenait de quoi il s'agissait. On parlait du léopard, on parlait généralement d'Alexandre le Grand. Chaque fois qu'on parlait d'un symbole, ceux de l'époque connaissaient. Aujourd'hui, si on parle de l'ours, on pensera à la Russie. Aujourd'hui, si on parle de l'aigle, on pensera au Royaume-Uni, on pensera aux États-Unis, on pensera même au Nigeria. Quelqu'un est avec moi? Parce que ce sont des symboles que nous pouvons interpréter. Quand on parle du dragon rouge aujourd'hui, on pensera pas à Satan en particulier, on pensera à la Chine. Quelqu'un est avec moi? Donc, Dieu parlait de symboles que ceux de l'époque pouvaient facilement comprendre. Deuxièmement, car la nature de l'animal, par exemple, représentait la nature du roi ou du royaume que l'on annonçait. Ok? Donc, quand on parlait, par exemple, d'un royaume ou d'un roi, les images que l'on présentait, par exemple, comme des animaux, la nature de ces animaux, leurs caractéristiques étaient très, très, très comparables à la nature du royaume ou à la nature du roi ou de l'empereur de l'époque. On parle du léopard, par exemple, on parle d'Alexandre le Grand, qui avait la vingtaine, la trentaine. Il a gagné le monde rapidement, ayant été formé par un grand philosophe, ayant reçu la révélation de sa mère qu'il était un fils de Zeus. Il s'est levé, il a compris que son père était jaloux de lui. On lui mettait les bâtons dans les roues, dans la famille, parce que tout le monde avait peur, car il savait qu'il n'était pas issu de son père et de sa mère, mais il était issu d'un Dieu et d'une femme. Il a changé le monde. Et toi, chrétien, toi qui sais que tu n'es pas né d'un homme et d'une femme, mais tu es né de Dieu, à combien plus forte raison tu n'auras pas la rage de conquérir le monde pour Jésus après ce confinement? Quelqu'un peut dire amen très fort. Autre raison, car Dieu aime qu'on cherche les interprétations. On dirait que Dieu aime ça. La Bible déclare, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ok? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors Dieu, quand il se révèle, il se cache. Pour que seuls les initiés puissent creuser, aller en profondeur et savoir ce qui est caché. Quelqu'un a dit, prophète Joël, la Bible déclare dans Deutéronome, ce qui est révélé est à Dieu, ce qui est caché est à Dieu, révélé est aux hommes. Right? Mais le même Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je vais te révéler les choses qui étaient cachées. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a gardées pour nous. Et tu sais quoi? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Mais maintenant, nous n'avons pas reçu l'esprit de l'ignorance pour demeurer dans le noir, mais l'esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a gardées dans sa grâce. Et nous sommes un peuple des illuminati, si vous voulez. Un peuple des illuminés. Nous sommes plus illuminés que tous ces cercles ésotériques. Nous sommes en Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Nous sommes illuminés. Nous sommes ces illuminati qui ont décidé de gouverner et de régner dans le monde, de faire place à une plateforme qui va préparer la voie au gouverneur des nations, qu'on appelle l'Antichrist, la bête, le mystère de l'iniquité. Nous sommes illuminés parce que nous marchons dans la lumière, car c'est dans sa lumière
que nous voyons la lumière. Autre raison, car il cachait la signification pour protéger les écrits et les écrivains. Je crois que ça, c'est une raison très importante que j'ai écrite. Très important. Il est possible que, avec l'Empire romain, lorsqu'on parlait de Babylone, on parlait de la corne, de celle qui a été guérie, on parlait de l'Empire romain, qui allait ressusciter, qui allait se relever. C'était un danger pour l'écrivain et pour les écrits, on pouvait brûler cela. Et puisque c'était comme une circulaire, il fallait que ça aille partout, que tout le monde lise le livre de la Révélation. C'était très 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 important de pouvoir protéger aussi l'écrivain et de protéger l'écriture. On peut avancer. À retenir, les Juifs attendent un Messie. Est-ce que vous le savez? Les Juifs ont un Messie et ils ont aussi un Antichrist. Les chrétiens attendent l'enlèvement et le retour du Messie. Les chrétiens ont aussi la notion de l'Antichrist. Les musulmans attendent le Mahdi. Pour eux, c'est leur Messie. Et ils ont aussi leur Antichrist. Ça va vous choquer? Les musulmans ont un Messie et ont un Antichrist. Les chrétiens ont un Messie et un Antichrist. Qui encore? Les juifs ont un Messie et un Antichrist. Et bizarrement, il y a une guerre entre les fils d'Abraham. Il y a une guerre entre les fils d'Abraham, Ishmaël, Isaac et l'Église. La postérité de la terre, le sable au bord de la mer. On parle là d'Ishmaël qui est béni aujourd'hui. Regardez l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, l'un des grands combats de... C'était le combat de boxe, je pense, dernièrement. Ça a été fait dans un pays arabe. On a tout aménagé en quelques mois pour que cela se fasse normalement. C'est avec le boxeur Anthony Joshua. Ok, tout a été aménagé pour que les choses se fassent dans des meilleures conditions. Voyez-vous, allez à Dubaï, allez à Abu Dhabi, c'est incroyable ce que vous allez voir. C'est incroyable, Ishmaël. Ils sont bénis, ils sont riches, ils sont l'économie du monde aussi. Allez voir en Angleterre, ils ont un slogan, England for Islam, Islam for England. Ils ont tout en Angleterre, ils achètent des malls, ils achètent des stades, ils achètent tout. Parce qu'ils sont aussi le sang d'Abraham et ils sont bénis. L'ange avait dit à Agar, il a dit, prends l'enfant parce que je ferai de lui aussi une grande nation. Quand on parle d'Ésaü, on parle d'Édom. Et vous allez voir, avant qu'il n'eût un seul roi, dans la descendance de Jacob, c'est-à-dire d'Isaac, il y avait déjà des rois chez Édom et chez Ésaü. Vous allez voir ça dans Genèse. Donc, il y avait déjà des rois, ils savaient s'organiser en société. Ceux qui n'étaient pas les fils de la promesse, ils étaient riches et ils étaient bénis. Avant même qu'il y ait un seul roi dans la lignée d'Isaac, de Jacob et avec Judas. Quelqu'un est avec moi? Et pour la petite histoire, tous les fils d'Abraham ici ont leur conflit. C'est-à-dire, nous on a un Messie et on a un Antichrist. Vous, vous avez un Messie et un Antichrist. Et bizarrement, les fils d'Abraham se battent là. Notre Messie est considéré comme l'Antichrist chez les autres. Notre Antichrist est considéré comme le Messie chez les autres. Par exemple, vous allez voir chez les chrétiens, quand vous considérez notre Messie Jésus, chez d'autres, c'est un imposteur, c'est l'Antichrist. Et leur Messie à eux, par exemple chez les fils d'Ismaël, leur Messie à eux a pratiquement le même portrait que notre Antichrist. Et c'est ce conflit qui existe dans la maison d'Abraham. Ce sont trois sémences qui se battent en ce temps de la fin. Et l'économie du monde, les Bradiasat, l'économie du monde, les grands enjeux aujourd'hui, même sur le plan international, se jouent autour, les Basaka, se jouent autour de ceux de la maison d'Abraham. Parce que c'est par Abraham que toutes les nations de la terre devaient être influencées. Et il y a la postérité de la terre, les sables du bord de la mer, les juifs et les arabes et les musulmans. Et il y a aussi la postérité du ciel, les étoiles. Est-ce que les étoiles sont là? Est-ce que les étoiles sont là? Est-ce que les étoiles sont là? Il y a la postérité de la terre et aussi la postérité du ciel. Quelqu'un m'entend? La postérité de la terre ne se voit pas la nuit.
Mais la postérité du ciel se fait voir la nuit. Et la nuit est avancée. C'est maintenant la saison de la postérité, que la postérité du ciel puisse aussi prospérer. J'ai toujours dit aux gens, les juifs sont enrichis, les musulmans sont enrichis, mais les chrétiens non. Lorsqu'on parle un peu d'argent, oh non, colonisation, avec notre extrême panafricanisme aujourd'hui, colonisation, on nous a bourré la tête avec des doctrines, pas d'argent, d'abord le ciel. Écoutez-moi très bien, nous sommes des fils d'Abraham, et nous avons droit à être riches, avoir des malls, avoir des avoir des actions dans des grandes sociétés. Parce que Dieu avait promis qu'il allait secouer les cieux et la terre, le sec et la mer. Il allait emmener les richesses dans sa maison. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je prophétise que le temps est arrivé où les chrétiens vont se lever, vont aussi se mettre à table avec ceux d'Isaac et ceux d'Ismaël et vont parler billions of dollars. Et vont parler barils de pétrole. Comment? Et vont parler multinationales. Oh, ne me dis pas, ici ce n'est pas notre maison, frère. La Bible déclare que ton royaume vienne. Le royaume, on n'ira pas le trouver là-bas. Le royaume, on va le manifester ici. Dans la pureté, le caractère, la crainte de Dieu. Mais aussi les mivets, mais aussi les fafios, mais aussi les djets. Aya baso katabaya. La pauvreté fera de toi un cousin germain de la sorcellerie. Ici, je ne dis pas que tous les chrétiens doivent être les milliardaires, mais nous devons avoir assez de moyens pour subvenir à nos besoins, mais aussi subvenir au développement de la communauté. Créer des entreprises, investir, faire venir des investisseurs. Qu'on dise aussi qu'il y a des chrétiens dans ce pays qui développent la nation. Non seulement par des prières, les chikababa, non, mais des hommes qui peuvent aussi décider. Écoutez-moi, autrefois, ce sont les politiques qui dirigeaient les multinationales. L'industrie. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ce sont les multinationales, les industries qui gouvernent les politiciens. C'est avec leur aval que les politiciens peuvent aller battre. C'est avec leur concours aujourd'hui qu'on peut mettre quelqu'un au sommet d'une nation. Ce sont les puissants du monde, les sionistes, les grands groupes des multimilliardaires. Ils ne parlent pas trop, mais c'est eux qui décident si tu vas être confiné ou pas. Malgré que tu pries beaucoup en langue, quand ils décident d'envoyer quelque chose, tu vas subir le confinement à la maison, prier en langue à la maison, parce qu'ils ont décidé que les choses soient ainsi. Money is power. Je décrète et déclare que s'élèvent après ce confinement des chrétiens qui vont régner dans la crainte de Dieu, dans la puissance, dans l'onction, mais qui vont aussi régner dans les finances et dans l'économie. Dis amen que je t'entende. Donne-moi la main mieux que je t'entende. Demande beaucoup de cœur là où tu es. Partage le live, invite tes amis et dis à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le temps de l'église. Aïe, 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 j'aimerais dire à quelqu'un que c'est le temps de l'église. Temps de l'église, c'est le temps de l'église. Et le temps est arrivé où les fils d'Abraham, par Jésus-Christ, puissent aussi bénéficier de la bénédiction d'Abraham que Isaac et Ishmaël sont en train d'expérimenter. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Gloire à Dieu. Nous aimons la prophétie, nous aimons la prophétie biblique, nous aimons la parole révélée. Gloire au Seigneur. Alors, toutes ces religions, tous ces groupes d'hommes ont une notion de l'antichrist. Les juifs savent qu'il y a un antichrist, les musulmans savent qu'il y a un antichrist, et les chrétiens savent qu'il y a un antichrist. On va voir la première mention de la notion de l'antichrist dans l'Apocalypse, ok? La première mention d'antichrist dans le livre d'Apocalypse. Déjà, vous devez savoir, le livre d'Apocalypse est très simple. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste une question de volonté. Apocalypse 1, 2, 3, 4, vous allez voir, on dit « Heureux ceux qui lisent le livre de cette prophétie. » Dans une autre version, on dit « Béni ». Écoutez-moi, il y a une bénédiction à lire le livre d'Apocalypse. Alors, je te lance un défi, enfant de Dieu, à part le fait de passer ton temps sur Canal, Canal ceci, Canal cela, action, sport, film, fiction, de passer ton temps sur Netflix, de passer ton temps sur TikTok ou sur beaucoup d'autres applications qu'on a sur Zoom en parlant avec tes amis. J'aimerais vivement t'encourager à être un ami du Saint-Esprit, à aimer l'enseignement du temps de la fin et entrer en profondeur du livre d'Apocalypse. Dieu peut t'ouvrir les yeux et te rendre plus conscient des temps dans lesquels nous sommes, parce que la Bible parle de pratiquement tout. Ok, permettez-moi de prendre un peu d'eau. Nous sommes en plein cours. Ok, thanks.
Ok. Est-ce que le professeur peut prendre un peu d'eau? C'est pas un problème. Hein? D'accord, merci. Merci. Personne qui m'a dit à votre soif. Hein? Voilà, nous prêchons beaucoup et on est là pour vous et Dieu est avec nous et tout se passe bien. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Voilà, toutes ces trois religions, ces trois groupes d'hommes ont une notion de l'antichrist. Alors, je parlais ici de Apocalypse. Apocalypse de Jean a été écrit par Jean. Apocalypse ne veut pas dire temps de la fin. Apocalypse ne veut pas dire catastrophique. Ok, pour dire apocalyptique, c'est tragique, catastrophique. Non. Apocalypse vient de grec qui veut dire dévoilé. Apocalypsus. Alors, Jean a écrit l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Jean. Jean a écrit le premier épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Et Jean a aussi écrit le livre d'Apocalypse ou de Révélation, de dévoilement. Jean était parmi les 12 apôtres de Christ, mais aussi parmi les 3 que Christ mettait souvent à part lorsqu'il voulait faire des choses très spéciales, notamment lorsqu'il voulait ressusciter la fille de Jairus, Matthieu 17, quand ils étaient dans la montagne de Transfiguration, et même encore à Gethsémané. Ce sont les 3 dont Jean qu'il avait emmené à côté afin de prier avec eux. Jean s'appelle lui-même le bien-aimé, celui que Jésus aimait beaucoup. À Jean était confiée la garde de la mère biologique du Seigneur qu'on appelle Marie. Et l'histoire de l'église dit que Jean a été enterré à Éphèse avec Marie parce qu'il prenait soin d'elle. Il était prophète et il a vu des choses incroyables par la grâce du Seigneur. Il a écrit le livre d'Apocalypse qui a 22 chapitres comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. L'alphabet hébraïque a 22 lettres. On commence avec Aleph, on termine avec Tav. Ok, Aleph, Tav, c'est comme Alpha et Oméga, ou bien A et Z, c'est-à-dire le premier et le dernier. Quand Jésus dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga », c'est en grec. En hébreu, il aurait dit « Je suis le Aleph et le Tav ». Et chaque lettre de l'alphabet hébraïque 1 a une valeur numérique particulière. Aleph c'est 1, Beth c'est 2, ok, jusqu'à la dernière lettre. Chaque lettre a ce qu'on appelle une épigraphie, c'est-à-dire une image qui la représente. Et Aleph c'est généralement un bœuf, comme une vache. Et Tav c'est, surtout dans les temps anciens, c'était une croix. C'est-à-dire le Aleph c'est un bœuf et le Tav c'est une croix. Exactement, Jésus est l'alpha et l'oméga parce qu'il est venu comme un serviteur, comme un veau, ok, et il est mort à la croix. Waouh! L'arpe de David avait 22 cordes et le plus long chapitre de la Bible a 22 sections, c'est-à-dire le psaume 119 a 22 sections de 8 versets chacun. Chacune. Vous allez voir la première section, 8 versets. 8 versets, 8 versets, et il y en a 22. Et à l'introduction de chaque 8 versets, il y a une lettre de l'alphabet hébraïque. Vous allez voir, Aleph, et puis on met 8 versets. Beth, on met 8 versets. Jusqu'à Tav, on met 8 versets. Apocalypse a aussi 22. On parle de 22 mystères du royaume dans la parole de Dieu. Et il semble même que l'Ancien Testament avait 22 livres avant. 1 Samuel, 2 Samuel, c'était un livre, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 livre, Esdras, Néhémie, 1 livre. Et on dit qu'il y avait plusieurs livres qui étaient, mais on a un roi, deux rois étaient ensemble, mais on a dû élargir ces livres. Voilà pourquoi on en a autant. 22 chapitres. Dans le premier chapitre d'Apocalypse, vous allez voir, j'ai bien dit ce soir, je suis à l'introduction. Vous allez voir dans le premier chapitre d'Apocalypse, Jésus-Christ qui se révèle comme étant le souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il a dit « J'étais mort, maintenant je suis vivant ». Lorsqu'il était mort, il est monté au ciel, il est assis à droite de Père et il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 grandes onctions. L'onction royale, sacerdotale et prophétique. Et David était le seul qui avait ces 3 onctions. David était prophète, on l'appelle prophète dans les évangiles et aussi dans Actes des Apôtres. David était roi et David était aussi sacrificateur parce qu'il a mangé le pain des propositions à une occasion. Et le rejeton de la postérité de David aussi a opéré avec ces 3 onctions. Jésus sur la terre, il a opéré comme prophète. Luc 24, on dit un puissant prophète
un prophète puissant en parole et en œuvre. Quand Jésus est venu sur la terre, il a travaillé comme prophète. Jésus est mort, il est allé au ciel, il travaille comme sacrificateur. Et il va revenir bientôt, il ne reviendra pas comme prophète ou comme sacrificateur, il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors le livre de l'Apocalypse sur la transition de Christ dans son office de sacrificateur, allant maintenant dans son office de roi. Come on. Voilà pourquoi dans le chapitre 1, il se révèle comme un prêtre. Vous allez voir les chandeliers, le fanlin, la ceinture. Il y a beaucoup de symboles qui parlent du sacerdoce. Dans le chapitre 2 et 3, on parle de ce qui se passe sur la terre. Parce que les sept lettres aux sept anges des sept églises concernent le numéro 1. À l'époque même où Jean recevait cette vision prophétique, il y avait une quarantaine d'églises majeures en Asie mineure. Mais principalement en Turquie, Dieu a sélectionné sept prophétiquement. En commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée. En passant par Smyrne, Laodicée, Philadelphie et les autres. Et les sept lettres aux sept églises concernent les églises de l'époque. Numéro 2. Concernent l'église de Christ selon les dispensations. Okay? À cette époque-là, c'était Éphèse. Et maintenant, nous sommes à Laodicaos, la dictature du peuple. À l'époque où l'église est tiède, ni chaude ni froide. Ok? Mais, troisième théorie, les sept lettres aux sept anges des sept églises concernent aussi l'église de Christ de tous les temps. C'est-à-dire, en ce temps de la fin, on peut aussi trouver des choses qui concernent l'église d'Éphèse. Donc, les sept lettres concernent les chrétiens de tous les temps et jusqu'à cet âge. Dans le chapitre 2 et 3, on parle de ce qui se passe sur la terre. Écoutez-moi, chapitre 1, ceux qui sont au ciel, Jésus, souverain sacrificateur. 2, versets 2 et 3, l'église ici sur la terre, comment elle doit se comporter, les encouragements, les réprimandes, tout ça. Mais aussi de l'autre côté, il y a le chapitre 4. Chapitre 4, maintenant on dit monte ici et je te ferai voir. Quand on dit monte ici, c'est l'image de l'enlèvement. Parce qu'après que l'ère de l'église soit terminée, nous allons maintenant monter avec le Seigneur. Alléluia. Et après le chapitre 4, il y a chapitre 5. Et 4, où on parle maintenant de l'adoration qu'il y aura au ciel. Vous savez, quand nous serons au ciel, nous allons monter là-bas, il y aura des gens de tous les peuples, toutes les races, toutes les tribus. On sera tous devant l'agneau, on va lui donner cette dimension de gloire. Là, c'est ce qui se passera, lisez Apocalypse 5 en particulier. Vous allez voir comment on va adorer, louer, glorifier l'agneau. Et à un moment, nous, on sera au ciel. Et la voix dira, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est un récit du passé. C'est faux. Ce texte n'est pas encore accompli. Les temps viendront où ce texte sera réalisé. Quelqu'un est avec moi? Et la Bible déclare, il y a une personne dans les cieux, sur et sur la terre. Et on a dit, ne crains point, a dit le vieillard. Regarde, le lion de la tribu de Juda, quand il se retourne, il voit un agneau immolé. Et lorsqu'il a ouvert le livre, il a rompu les sceaux. Le chapitre 6 commence. Maintenant, on parle des choses qui vont se passer sur la terre quand nous, on sera au ciel et que Christ va ouvrir le livre et rompre les sceaux. Et là, sur la terre, durant 7 ans, quand nous serons au ciel, sur la terre, une terre sans église, une terre sans la personne du Saint-Esprit. Il n'y aura pas le Saint-Esprit pour convaincre le monde du péché, du jugement ou de la justice. La dispensation de la grâce touchera à sa fin. Le jugement de Dieu va commencer durant 7 années en raison de 3 années et demie. Il y a ce qu'on appelle la tribulation à la première moitié et ce qu'on appelle la grande tribulation à la deuxième moitié. Sur la terre, il y aura ce qu'on appelle les sceaux. Les sceaux, c'est-à-dire les sceaux, les trompettes et les fléaux. Ce sont 3 types de jugements terribles que Dieu va libérer sur la terre pour juger le monde à cause de plusieurs raisons. Nous, on sera au ciel pour les noces de l'agneau, recevant les couronnes et les récompenses. Mais sur la terre, il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Notamment des jugements cosmiques, des jugements de la diminution de la démographie terrestre. Vous allez voir dans Apocalypse 9, Apocalypse 6 même, vous allez voir, il y a réduction de un tiers de la population mondiale, un quart de la population mondiale.
il y aura des maladies, il y aura un moment, il y aura une étoile qui tombera du ciel dans la mer, et cette étoile s'appellera absinthe. Il y a des anges qui vont sortir du fleuve Euphrate, il y a des phénomènes bizarres qui vont se passer. Voilà pourquoi reçois Jésus aujourd'hui, parce que la colère à venir est à la porte. Frère, Covid-19 n'est rien. Et même, écoutez-moi très bien, notez ce que je dis, j'ai parlé à mon ami le pasteur Papi Chouakewa de la borne parole du salut. Je lui ai dit une vision que j'avais reçue qui est conforme à la vision qu'un homme de Dieu a eue. Il est en Inde. J'ai vu après le Covid-19 un autre fléau s'abattre sur la terre. Et maintenant c'était une épidémie qui touchait la peau et faisait comme des plaies. Il y avait comme des ouvertures comme ça sur le corps, un peu comme la lèpre. Et c'était horrible à voir. Ce ne sera pas encore la grande tribulation, mais à des temps difficiles qui vont arriver sur la terre. La terre va se reposer un peu, une autre calamité viendra. Elle se reposera après, une calamité viendra. Dieu est en train d'avertir le monde que son fils est en train d'arriver et que le mal est en train de vouloir être manifeste sur la terre. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et lorsqu'il ouvrira le premier sceau, voici ce qui arrivera. La Bible déclare, la première chose qui va arriver, c'est ceci. Il y aura quatre cavaliers, qu'on appelle les quatre cavaliers d'Apocalypse. Un qui viendra sur un cheval blanc, un cheval noir, un cheval roux, un cheval pâle. Écoutez et suivez-moi très très bien. Apocalypse 6, ok, je vous demande de lire cela à la maison. On parle ici de ce qui va se passer. On parle par exemple, voilà, je regardais quand l'agneau ouvrit, un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix tonnerre, viens. Et je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit vainqueur et pour vaincre. On parle de celui qui était sur un cheval blanc. Quand il vit le second saut, j'ai entendu le second être vivant qui dit, viens. Il sortit un autre cheval de couleur roux. Ok? Roux. Verset 5. Le troisième saut, un homme, un cavalier sorti, parut sur un cheval noir et après un cheval pâle. Et vous allez voir ici, verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alors, pour bien comprendre ce que Christ a dit, il faut comprendre Matthieu chapitre 24. Lisez avec moi, c'est très facile à comprendre. Tu n'as jamais compris les quatre sceaux, le cinquième sceau, tous les cinq sceaux, tu vas comprendre ça facilement. C'est au fait des jugements qui vont s'abattre sur la terre, des événements qui vont arriver juste après que nous nous soyons enlevés. C'est très facile à comprendre quand on fait un parallèle avec Matthieu chapitre 24. Vous allez lire avec moi et vous allez comprendre Matthieu 24 verset 4 au verset 10. Écrivez avec moi Matthieu 24, 4 à 10. Matthieu 24, 4 à 10. Matthieu 24, 4 à 10. Commençons. Ainsi, nous voyons dans Matthieu que Jésus confirma la signification de ces sceaux lorsqu'il parla d'eux. Matthieu 24, verset 4, le premier sceau, ou le premier cavalier de l'Apocalypse. Le premier cavalier, il est sur un cheval blanc. Comment? Il est l'image de l'Antichrist, ou même l'image d'une fausse religion. Et Jésus dit ici, premièrement, il dit qu'il y aura des faux prophètes qui vont apparaître. Des hommes qui vont se faire appeler Messie. Ok, on est où au verset 4? On est au verset 4, n'est-ce pas? Verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Là, c'est le premier cavalier d'Apocalypse. 2, le deuxième, le second, sur un cheval. Un cheval? Un cheval roux, c'est ça? Right. Vous êtes là. Un cheval roux. On dit quoi? Quand on ouvre le second saut, on parle ici des guerres. Et vous allez voir qu'il y a similitude avec ce que le maître a dit. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, n'est-ce pas? Gardez-vous d'être troublés. Et ainsi de suite. Et vous allez voir que c'est pratiquement tout ce qu'on a dit jusqu'au cinquième saut. On parle ici de la tribulation, persécution religieuse et des martyrs. Et le cinquième saut ici, on dit, quand il ouvre le cinquième saut, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Vous voyez? On parle de la persécution et des martyrs. On peut comprendre les cinq premiers sauts dans Matthieu chapitre 24. Dites avec moi, avance prophète.
Encore. Généralement, certaines personnes réduisent la visibilité des lives lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec des choses qu'on enseigne. Ici, on ne parle pas de mariage, voyage, blocage, freinage, âge, prophète. Ici, on parle tant de la fin eschatologie et retour de Christ. Je vais vous lâcher comme un avion lâche un parachutiste. Je vous lâche comme les enfants lâchés des hélicoptères, ok, des ballons dans les airs. Je vous lâche ce soir et vous laisser avec beaucoup de questions et revenir cette semaine pour maintenant parler du nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que nous sommes ici? Encouragez votre père. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? D'accord. Allez, on va parler de vraies choses maintenant. Mettez-vous assis. Asseyez-vous, mettez-vous. Je vais vous amener quelque part et on va caler en l'air. Et après, je reviens cette semaine. Je vais maintenant vous expliquer ce que je n'ai pas dit. Et puis, je vais vous parler du nouvel ordre mondial. Mais s'il vous plaît, vous êtes théologien. Vous avez des notions de l'eschatologie. Vous avez des notions de l'antichrist. Vous avez des notions sur le nouvel ordre mondial. J'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, m'écouter avec un peu plus d'attention. Parce que je veux dire des choses qui sont très dangereuses. Et je vais vous laisser là. On va juste caler en l'air. Et on reviendra cette semaine pour maintenant aller en profondeur. Mes frères et sœurs, les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont sur des chevaux. Un livre apocalyptique et un livre de symboles. Et rien n'est fait au hasard. Couleur blanche, ok, cheval blanc, cheval roux, bien rouge, cheval noir et cheval pâle ou bien vert, ok, chloros. C'est le mot grec, chloros, chlora, qui parle de vert, okay? Comme de vert de treillis militaire. On parle de rouge, on parle de noir, on parle de blanc et on parle de chloros. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque l'Empire romain était en pleine hégémonie, à chaque fois qu'un nouvel empereur devait entrer en scène et régner sur l'Empire, comme les Domitien, les Augustes, les Néron, tous ces empereurs romains, lorsqu'ils voulaient entrer en fonction, on élevait, en anglais on parle de flag, ou bien un drapeau. Et le drapeau avait ses quatre couleurs. Le blanc, le noir, le rouge et le vert. Parce que ça annonçait un nouvel ordre. Ça annonçait l'entrée en scène d'une nouvelle autorité, d'un nouveau pouvoir, d'un nouveau règne, d'une nouvelle administration, de la manifestation d'un nouveau leader politique. Écoutez-moi. Les quatre cavaliers, comment? It's okay. Ça commence déjà. On est ensemble? Tout va bien? Tout va bien là-bas? Ok, ne vous dérangez pas. Les vraies choses veulent être dites et puis on a... C'était quoi, une chute de tension? Tout va très bien. Donnez-moi beaucoup de cœur. Le diable a un problème. Voilà, le diable a un sérieux problème. On est en train de dire les vraies choses ici. Alors, chaque fois qu'un nouvel empereur devait prendre la place sur le trône de l'Empire, c'était des choses que l'on voyait habituellement. On voyait des drapeaux, un drapeau principalement qu'on élevait. Et ce drapeau annonçait l'entrée en scène d'un nouveau dictateur, d'une nouvelle autorité, d'un nouveau pouvoir. Et les quatre cavaliers d'Apocalypse annoncent effectivement l'entrée en scène de celui qu'on appelle l'Antichrist, le fils de la perdition, celui en qui va habiter pleinement tous les mystères de l'iniquité.
On parle de lui dans Apocalypse 6 comme étant le cavalier sur le cheval blanc. On parle dans Apocalypse 13 comme étant la bête qui monte de la mer. On parle aussi d'Apocalypse 17. On parle de la bête. On parle de l'Antichrist. On parle du mystère de l'iniquité que le Seigneur va détruire par le souffle de son avènement. Oh my God. Quelqu'un peut dire Jésus est puissant. Vous savez, Jésus ne va même pas combattre l'Antichrist. La Bible déclare par le souffle de son avènement. Donc, le souffle de ses narines. Mais je te fais. Et l'Antichrist sera détruit. Et lui, le dragon et le faux prophète vont être liés avec la mort et le séjour des morts et vont être jetés dans le lac de feu d'éternité en éternité. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici que Jésus est en train d'arriver. Mais l'Antichrist ne peut être manifeste maintenant parce que l'Église est là. Il est écrit que celui qui le retient, il faut que celui qui le retienne parte. Et celui qui retient la manifestation de l'Antichrist sur la terre, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui règne actuellement sur la terre. Il est celui qui est au contrôle. Il est celui qui a la domination, la personne du Saint-Esprit. Avec l'Église qui est le sel de la terre, la lumière du monde ici, le contrôle est encore entre nos mains. Nous avons la clé du royaume sur la terre, les clés du royaume. Et quand nous serons partis, c'est alors que les mystères vont commencer à se révéler. Les jugements de Dieu vont tomber et de grandes choses vont commencer à se manifester. Est-ce que le professeur peut continuer? Avance, papa. J'ai bien dit, je vais vous caler en l'air. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Voilà. Alors, bizarrement, j'aimerais juste vous emmener dans une perspective interrogative. Donc, je pose des questions, réfléchissez avec moi avant que je ne puisse clore ce live. Écoutez-moi très bien. Hormis le fait que ces quatre couleurs se retrouvaient sur le drapeau qui annonçait l'entrée en scène d'un nouvel empereur à Rome, de manière étrange, ces quatre couleurs se retrouvent dans le drapeau de certains pays. Les quatre couleurs blanc, roux, noir et pâle, de façon étrange, ces quatre couleurs sont celles de la plupart des nations. Ok, vous voyez? La Jordanie, la Palestine, le Soudan, le Koweït, le drapeau des Émirats Arabes Unis et celui de la Libye. Noir, rouge, blanc. Noir, rouge, blanc. Noir, vert. Vert, blanc, noir, rouge. Noir, rouge, blanc, vert. Vert, blanc, noir, rouge. Rouge, noir, vert, blanc. Étonnant, n'est-ce pas? Je n'avance pas avec les commentaires à ce sujet. Je vous laisse juste des questions. D'Apocalypse 13, on parle d'une trinité. Lorsque Dieu entre en scène et veut créer son monde et régner, les trois disent, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Chapitre 1, verset 26. Chapitre 1 déjà. Verset 1, on voit Dieu créer les cieux et la terre, on parle notamment du Père. Verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 2, on voit la présence du Saint-Esprit. Au verset 3, on dit, puis Dieu dit, le diable est invisible, mais cet homme sera comme l'incarnation du diable sur la terre, dans un homme, qui sera un leader politico-religieux et militaire. Il y aura une autre bête qui sortira cette fois-là de la terre. Et cette bête aura la capacité de faire des prodiges et des miracles qu'on appelle le faux prophète. Il y aura le dragon, la première bête qui fut blessée, qui monte de la mer. Et il y aura la
deuxième bête pourra faire des miracles par le pouvoir de la première. Et la première bête aura eu le pouvoir du dragon. Le dragon, la bête et la bête. On parle ici de la trinité diabolique. Et ces trois entités vont pleinement manifester leur pouvoir sur la terre au point de contrôler tout ce qui se passe, l'économie, mais aussi la vie des hommes. Amen. Amen. Et on parle de cette bête. Elle avait 10 cornes, n'est-ce pas? Vous allez voir aussi les 10 cornes dans Daniel 7, verset 24, qu'on parle de la statue que le roi avait eu à voir. Il y avait au niveau des pieds moitié fer, moitié argile. Et il y avait 10 orteils, n'est-ce pas? On parle aussi de 10 cornes. Vous allez voir ça même dans Apocalypse 13. Vous allez voir même dans Apocalypse 17. On parle de 10, 10, 10. On parle là de 10 rois. Ok? Ce n'est pas mon sujet du jour aujourd'hui. Come on. On dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme les rois pendant 1 heure avec la bête. Je vous laisse juste quelques éléments. Et on parle notamment du réveil de l'Empire romain. Écoutez-moi très bien. L'Empire romain a été l'empire de la vie terrestre de Christ lors de sa première venue. L'Empire romain sera encore là et jouera un rôle particulier dans la prophétie biblique lors de la seconde venue de Christ. L'Empire romain. J'expliquerai avec la symbolique. Il va se passer le réveil. Le réveil de l'Empire romain. Le réveil de l'Empire romain. Le réveil de l'Empire romain. Lorsque Christ viendra, non pas pour les saints lors de l'enlèvement, mais après les 7 ans, après les 7 sauts, 7 trompettes et 7 fléaux, au pic de ces 7 années, le Seigneur reviendra selon 7e après Adam, l'homme qui s'appelait Enoch. Comme a dit Jude, il viendra avec les saints sur la terre et posera les pieds sur la montagne des Oliviers. Chapitre 12, 14 de Zacharie. 7 ans, nous allons revenir. Et la Bible déclare ceci. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et donc, lorsque Jésus viendra avec les saints pour régner sur la terre, libérer Israël de la guerre, de cette bataille qu'il y aura dans la vallée de Josaphat ou d'Armageddon, la Bible déclare, tout œil le verra, en particulier ceux qui l'ont percé. Qui ont percé le Seigneur? Question. Jean 19, verset 32 à 34. Et les soldats vinrent donc, les soldats romains. Ils rompirent les jambes au premier, ainsi de suite. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un de ses soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Qui a percé le Seigneur? Qui a percé le Seigneur? Qui a percé le Seigneur? C'est un soldat. Et il déclare que, on dit, il vient avec les nuées. Retour glorieux. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. En d'autres termes, autant il y a eu des Romains lors de sa première venue, il y aura des Romains lors de sa seconde venue, afin qu'ils contemplent celui qu'ils avaient percé, mais qui va maintenant revenir, non pas comme l'agneau qu'ils ont lié, ligoté et pendu sur un bois, mais reviendra comme le grand conquérant des nations, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En d'autres termes, il y aura encore l'ascension, la restauration, l'émergence, la résurrection, comme un phénix de l'Empire romain avant que le Seigneur ne puisse régner sur la terre durant 1000 ans.
Bizarrement, l'Empire romain dont on parle, certains chrétiens ont une théologie qu'ils ont héritée des bouquins, c'est-à-dire l'Europe, c'est la bête. L'euro, ce qu'on voit, où se trouve encore le Parlement européen, Luxembourg, en Europe, l'euro. Et tout le monde a dit, le pays avec cette colline, c'est l'Italie. Voilà pourquoi Dieu a frappé l'Italie, il y a eu beaucoup de morts. Ça, c'est une théologie très facile de croire que l'Empire romain, c'est cet empire européen qui va se lever. Et l'Antichrist viendra de l'Europe. C'est certainement le président de l'un des pays de l'Union européenne. Alors, on commence à regarder un peu en France, on regarde un peu en Angleterre, on regarde un peu à côté, et même un leader religieux européen. Et on se dit, exactement là, il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est de l'Europe que viendra l'Antichrist. S'il y a un relèvement de l'Empire romain, avec les mêmes pays qui étaient autrefois, les pays qui constituaient l'Empire romain, écoutez, la plus grande caractéristique qu'auront ces pays si l'Empire romain ressuscite. 90% de l'Empire romain est caractérisé par une seule religion. 1. Le Liban, l'Égypte, la Turquie, le Maroc, la Syrie, la Jordanie, l'Éthiopie, Israël, ok, une partie de l'Irak et le Maroc. Donc si ces nations doivent s'élever, elles ne seront pas catholiques. Quelqu'un me comprend? Je vais encore avancer. Vous êtes là? Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, toutes les nations que Dieu juge, retenez bien, toutes les nations que Dieu juge, quand on parle le jour de l'Éternel, on parle de Tyr, on parle de Dôme, on parle de Damas, on parle de toutes ces nations que l'on cite dans Ésaïe, que l'on cite dans Jérémie, que l'on cite dans Ézéchiel, qu'on cite même dans Joël chapitre 3. Dieu convoque son armée dans la vallée de Josaphat. Toutes ces nations-là ne sont pas des nations qui font partie de l'Europe. Quelqu'un m'a entendu? Toutes les nations, déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu juge et annonce qu'il va juger lors du jour de l'Éternel, ne sont pas des nations européennes, avant tout. Ne sont pas principalement des nations européennes. Mais ce sont des nations qui ont un lien direct avec le Moyen-Orient. Je vous laisse encore un autre élément. La Bible n'est pas centrée sur l'Occident, même pas sur l'Europe. L'Église est israélocentrique. Ézéchiel 5, verset 5, Israël est au centre du monde. L'histoire de la Bible se passe au Moyen-Orient. Et tous les jugements que Dieu promet d'abattre sur la terre sont des jugements qui se passeront là, dans le Moyen-Orient. L'Empire romain donc, Babylone donc, comme il est écrit dans, je crois c'est Ésaïe 21, on annonce que Babylone va tomber, elle va tomber, elle va tomber. On ne parle pas de Babylone comme étant la femme, on parle vraiment de Babylone. Et là on fait mention à l'Iran, à l'Irak, à l'ancienne Perse. C'est à ces nations-là que l'on s'adresse avant toute chose. Tenez compte avec moi de ce petit élément. Babylone, dans Genèse chapitre 10, 11, Nimrod était le fondateur. On dit au fait qu'on appelait Babylone ne veut pas dire confusion. Babylone veut dire, dans les langues anciennes, ça veut dire la porte des cieux. Et aujourd'hui, je pense que c'est en Allemagne qu'il y a les portes de Babylone là-bas. Vous connaissez, ceux qui sont en Allemagne, ils connaissent cela. Parce que Babylone était, it was a gate, c'était un portail spirituel. Et ceux qui étudient vraiment l'histoire du jardin d'Éden disent probablement le serpent se mouvait principalement dans ce lieu géographique. C'est là où se trouvait le trône de Satan. C'est là où se trouvait un portail avec le monde spirituel. Et si on s'était trompé dans notre théologie croyant que les choses se passeront en Europe alors qu'elles vont se passer au Moyen-Orient. Même d'Apocalypse,
Lorsqu'on parle de ces rois, je vais aller en profondeur la prochaine fois pour vous expliquer des choses. C'est notamment axé sur le Moyen-Orient et non sur l'Europe. Et si on s'était trompé toutes ces années et on croyait que c'est de l'Europe qu'allait s'élever l'Antichrist avec un costume? Et si on s'était trompé? Vous allez voir, Dieu promet qu'il va frapper toutes les nations environnantes. De quoi? D'Israël. Parce que ce sont principalement ces nations-là qui vont décider de mettre fin à Israël et de détruire le monde. Et il y a des croyances religieuses totalement opposées au christianisme. Nous, la Bible déclare, la vie éternelle, c'est de croire en un seul Dieu et en celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas un prophète, c'est Jésus. Mais dans d'autres croyances, on croit en un Dieu et en un seul homme. Quelqu'un me comprend? Yes. Quelqu'un peut dire l'Antichrist, quand tu lis 1 Jean chapitre 4, on dit les antichrists sont déjà là. Qui est antichrist? Celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre? Yes, papa. Je ne fais aucune affirmation, je vous laisse juste des réflexions. Et à partir du mercredi jusqu'à vendredi, on va maintenant ouvrir le sceau, ouvrir les choses qui sont scellées et vous expliquer en profondeur, Bible à l'appui, ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous devons évangéliser tous ceux qui sont dans différentes religions. Il y a des choses que je ne peux parler que dans une école que je vais faire sur Zoom dans quelques jours pour parler avec plus de détails. Le temps est arrivé où nous devons évangéliser. Évangéliser agressivement. Parce que les temps qui viennent seront très difficiles pour le monde. Priez, parce que dans quelques jours, il y aura des réunions en Europe. Il y aura des grandes déclarations qui seront faites par rapport au nouvel ordre mondial. Précisément, au jour de la naissance de la nation d'Israël. Priez. Après ce confinement, vous allez maintenant voir comme une mise en place de faire un bloc, de mettre le monde en bloc. Leur grand obstacle, c'est Donald Trump et c'est l'Afrique. Mais nous sommes en train de prier avant que nous ne soyons enlevés, que l'Église soit la voie prophétique et que par la sagesse de Dieu, on puisse préserver le monde encore dans le peu de temps que nous avons avant d'être enlevés et de voir du haut des cieux les jugements de Dieu s'abattre sur la terre. Je vous laisse là, réfléchissez-y, lisez la Bible et à partir de mercredi jusqu'à vendredi, on entrera en profondeur de la matière. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Père, merci pour ta grâce et ta faveur. Nous prions qu'à partir de ce soir, tu nous rendes conscients de l'enlèvement. Et tu nous fasses grâce de vivre une vie qui te plaît et qui t'honore. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont maintenant en direct, vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus. Répétez cette prière après moi. On va prier ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis un pécheur. Mais ce soir, j'ai entendu ta parole. Je ne veux pas rester sur terre pour vivre ta colère. Mais je veux aller au ciel afin que là où tu es, que j'y sois aussi. Voilà pourquoi ce soir, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. J'irai au ciel et le ciel est en moi. À partir de ce soir, je décide de suivre Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, amen. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci d'être resté si tard avec nous dans ce direct. Merci d'avoir été connecté. On se retrouvera pas mardi cette fois-ci, on se retrouve mercredi et on va maintenant aller en profondeur des vraies choses. Merci d'avoir suivi et d'avoir été connecté. Partagez le live, coupez s'il le faut, mais dites à quelqu'un, Jésus revient bientôt et les temps qui viennent sont très compliqués. Cette semaine, on parlera de la géopolitique, de la Bible. Et vous allez voir comment les choses sont en train de se dessiner et comment le nouvel ordre mondial est en train de préparer la voie à l'avènement du fils de l'iniquité, de l'antichrist
de la bête qui monte de la mer. Soyez bénis. Et si vous avez à cœur de faire quelque chose et envoyer votre semence, s'il vous plaît, faites-le par tous les points de contact qui sont donnés. Le lien de PayPal au-dessus de, de cette vidéo, par PayPal, Mastercard, carte Visa, envoyez votre offrande, votre libéralité et que Dieu se souvienne de vous. Sinon, on se retrouve cette semaine. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles et n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Les choses sont au-delà de tout ce qu'on a pensé jusqu'à ce jour. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir chez vous. Shalom.